អង្គជំនុំជម្រះឱកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសហការហើយនឹងផ្ដល់វិធានការជូនទៅសាភិញ្ញរងអន្តរជាតិដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសម្ដេចដោលចំពោះសាស្ត្រីរីឆាតឌុតមែនសូមអញ្ជើញ Thank you, Mr. President. Mr. Dudman, we very much appreciate you making your effort to testify here as a 96-year-old. It's an amazing thing. I'm going to continue reading some of the things you wrote from your trip. I realize that you may not remember too much at this point. Some of the statements you've made, though, are quite interest to us, and if nothing else, we want to make sure they're part of the record here. And I will continue to ask you some follow-up questions, and hopefully maybe some of this will spark some recollections. I'm going to continue in an article that is titled The Enemy Vietnam. This is in E3. 3290 at English ERN 00419207, Khmer 01070696. And here's what you wrote. I quote, "Throughout the visit, officials denounced the Vietnamese continually, as did Radio Phnom Penh, as fascists, false communists, aggressors, the Cubans of Asia, country swallowers, and crocodile, a most ungrateful animal which does not recognize as master the person who feeds it. The foreign ministry official who toured the country with us took us to a zoo at one point, said, 'Come see the Vietnamese prisoners.' He led the way to a pit with 60 big crocodiles in it. At another time, the official said with a straight face that all Vietnamese army officers have three wives, one in Hanoi, another in Saigon, and the third at the front." End of quote. Do you remember your reaction when you heard Democratic Kampuchea officials making remarks like this about the Vietnamese in your presence? Well, as a journalist, I figured that was a nice nugget for a story. And I put it in because I thought it would and both amuse and enlighten our readers. Mr. Dudman, I want to read to you now a couple of examples from DK radio broadcasts during the time you were in the country in December 1978. Your Honor, these are from E3/295, the Phibus records for December 1978. In at page 00169107, this was a broadcast on the 16th of December 1978, which reads as follows. "According to sources in Vietnam, the Le Duong Pham Van Dong troops are more barbaric, fascist, and puritical than those of the former Chu Ki regime." Continuing in the next paragraph, "In early November, a soldier wearing a one-star rank insignia cut off a woman's hand to rob her of a gold bracelet.
And then continuing in the same paragraph, worse still is that the Lee Doon administration has ordered each southern family to give room and board to a soldier from the north. These soldiers can loot the people's property at will. They have even raped in a most barbarous manner the wives of the head of the families with whom they live. End of quote. A broadcast on the 21st of December 1978 by the Phnom Penh Radio. This is at 00169159. Quote, the skinny and wounded Vietnamese dog has been so infected by the virus of defeat, insanity, and famine that even its Soviet masters cannot help it. The skinny and wounded Vietnamese dog is now becoming even skinnier and will soon die. End of quote. And last, on the 18th of December 1978, at 00169135, there was a broadcast of a confession, purported confession, of a female Vietnamese spy. States, the confession of Lee Thi Vinh Sang, an espionage agent of the Vietnamese aggressors captured by our Kampuchean Revolutionary Army in Svai Rieng Province on the 25th of September 1978, clearly shows that the Vietnamese Lee Doon clique has committed most cruel and savage acts against the Kampuchea Krom minority. They have strangled babies to death and given lethal injections to mothers who had just given birth. End of quote. Mr. Dudman, I read to you these excerpts. My question is a simple one. Is this the same type of anti-Vietnamese rhetoric that you heard while you were in Democratic Kampuchea in December 1978? I think it's the same thing. I wish I had heard that one at the time. I could have used that. Do you remember, did you ever review Phibus reports of radio broadcasts from Democratic Kampuchea, or do you remember how it is that you became aware of what was being broadcast by Radio Phnom Penh? I don't recall knowing about those broadcasts. Maybe I did, but I don't remember. In the first two paragraphs of Article E305/12.54, you reported a statement made by Pol Pot on the 22nd of December 1978, which is the day you met with him, you and Ms. Becker met with him. And this is what you wrote that Pol Pot said. Pol Pot said that 95% of the people in Democratic Kampuchea were good, that they had been able to re-educate and recover, in his words, another 4%, and that they were still working on the re-education of the other 1%. Mr. Dudman, do you remember, was this something that Pol Pot said to you during your face-to-face meeting, or do you remember receiving written answers to questions that you and Ms. Becker had provided? I don't remember how I got those quotes. Do you remember whether Pol Pot provided any explanation of how he knew the percentage of people in Democratic Kampuchea who were being subjected to re-education? I don't know.
I'm going to now ask you about some specific Khmer Rouge cadres that your group inquired about or were given information about during your visit. In your article titled Governing in Secret, this is in document E3/3290, English ERN 00419211, Khmer ERN 01070714. You reported that you had been told by a Ministry of Foreign Affairs official, Ok Sakun, that, I quote, Hu Nim, Minister of Information, and Hu Yun, Minister of the Interior, were still active in the government, although believed in the West to be missing or dead. End of quote. And I'm also going to refer at this time to a document E33.1. E33.1, Mr. Dudman, is a 18 December 1978 report that was written by Democratic Kampuchea officials about your visit, and it contains a section titled Additional Requests by the Guests at English 0105-4090, Khmer 0104-7239, French 0105-4094. And in this document, it indicates, quote, the British professor asked about Chow Seng and Phok Chai, end of quote. And I realize I'm asking a lot here, Mr. Dudman. Do you have any memory of the responses that you, Ms. Becker, Mr. Caldwell received when you made inquiries about cadres such as those referenced here? I don't remember any responses. For the record, Your Honors, document E3/2285 at Khmer ERN 00009220323, English 00873450-461, is a list from the S21 prison titled Names of Prisoners Smashed on the 6th of July, 1977. It identifies 127 prisoners who were executed at the S21 prison on that day. Number 123 on the list is Phok Chai, one of the cadres whom Malcolm Caldwell had asked about. And number 125 on that list is Minister of Propaganda Hu Nim, a person that you, Mr. Dudman, were told was still alive when you were in Democratic Kampuchea in December 1978. Do you remember whether you had any impressions during your trip on whether Democratic Kampuchea officials were being honest with you about prisoners, political prisoners in the country? I don't remember. In the one of the reports I mentioned earlier, this is again a report from a Democratic Kampuchea official, E3-1156. This is a report that listed requests that you had made for the trip. Number seven, the seventh request attributed to you, Mr. Dudman, indicated that you had accused the revolution of executing people and that you wanted to see political prisons
and to be explained how the revolution dealt with political opponents. What was the response you received to your request to be shown a prison or re-education office? I don't recall what response I got. Did you visit any prisons or re-education offices when you were in Democratic Kampuchea? Not that I can remember. Have you ever had the opportunity to visit S21 or the Tuol Sleng prison in Phnom Penh? And do you know that this prison is located only about a mile or so away from where you were staying when you were in Phnom Penh in December 1978? I don't recall visiting that prison. Your Honors, based on E3/342, which is the OCP revised S21 prisoner list, and E3/1651, which is an S21 interrogation log for December 1978. There were a total of 35 new prisoners who were sent to S21 on the 10th of December 1978. That was your first full day in Phnom Penh on your trip, Mr. Dedman. Those prisoners included three female cadres who had been arrested from the Ministry of Foreign Affairs and eight medical cadres, including a 16-year-old female who worked at a hospital. And on the next day, the 11th of December 1978, while you were still in Phnom Penh, the S21 documents record that 28 prisoners were taken away and executed that day. This is one prison on the first 2 days of your trip. Did the foreign ministry officials who accompanied and talked to you ever disclose to you in any way that people were being arrested and sent to prisons while you were there, or the fact that people from their own ministry, the Ministry of Foreign Affairs, had been arrested and were being detained in prisons in Phnom Penh? I don't recall being told about that at all. What's the purpose of questioning Mr. Dutton like this? Obviously, he hasn't been told this. It's just for the purposes of entering into the record S21 documents. We have a segment on S21 coming up. I think that is the more appropriate time and place to do it. It doesn't really help in this line of questioning, Mr. Dutton. But the answer was already given, so technically I don't object anymore. Mr. President, this witness has written about political prisoners, his effort to make inquiries about the status of them. This prison was about a mile away from where he was. I think I'm entitled to ask a few questions related to whether he was provided any access or prevented from learning about what was going on. បាទអញ្ជើញបន្តសួរទៀតចុះហើយអញ្ញមិសសូមរំលឹកដល់ភាគីថាភាគីអាចតាំងសម្រួលដេញដោលចំពោះសាក់សីណាមួយបានដែលគ្រប់អង្គហេតុទាំងអស់ដែលអញ្ញមិសកំណត់ធ្វើសម្ដានការនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរដរាបណាសាក់សីនោះគឺគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយគាត់ដឹងរឿងហេតុគ្រប់អង្គហេតុទាំងអស់ឬក៏ច្រើនអង្គហេតុគឺអង្គហេតុដែលគាត់ដឹងគឺអាចតាំងសម្រួលពាក់ព័ន្ធបានទាំងអស់នៅក្នុងឡុងពេលដែលសាក់សីរួមនោះមកផ្ដល
freely about the city. I don't really remember. Let me read a short excerpt from one of your articles to see if that refreshes your recollection. In E3/3290 at English 00419207. Khmer 01070693-94. This is what you wrote. Quote, officials warned us against wandering off unescorted, even in almost deserted Phnom Penh. When we slipped away several times, believing the warnings to be a mere excuse to keep us from seeing too much, the guards quickly found us and drove us back by automobile to whichever guest house we were occupying at the time. On one occasion, a guard took Miss Becker by the arm and gently but firmly conducted her home. End quote. Does that refresh your recollection, Mr. Dudman, on whether you were allowed to move about freely in Phnom Penh? I read that portion just yesterday, and I can't really place myself back in that situation, but it sort of rang a bell. Thank you, Mr. Dudman. Yesterday, Nguyen Chay's counsel spent some time with you on your August 1990 op-ed piece in the New York Times. He read to you a statement in the fifth paragraph of that article, E307/5.2.16, which referenced the conventional wisdom that Pol Pot and the Khmer Rouge were irrational fanatics who practiced deliberate genocide, a conventional wisdom that you were questioning. Towards the end of that same article, I'd like to read another quote to you. You wrote as follows, quote, but what about the killing fields and the stacks of skulls? The remains of a few hundred victims are undeniable evidence of mass executions, but they have no bearing on the question of how many were slain and certainly do not prove genocide. My own conclusion is that Pol Pot is not an irrational fanatic, but a revolutionary leader who was riding a tiger. A violent, disorderly uprising by poor, ignorant, downtrodden country people. Deeply resentful of urbanites, they had no compunction about driving city people into the countryside and letting them die or even clubbing them to death if they fell by the wayside or couldn't stand hard manual labor. End of quote. I have just a couple of follow-up questions to this, Mr. Dudman. When you wrote this op-ed piece in 1990, had you had the opportunity to review the surviving records from the S-21 prison in Phnom Penh, records which showed that over 12,000 people had been killed at that prison alone? I don't believe I had that information, but I don't recall. You testified yesterday that since the time you wrote this article in 1990, you have consulted new sources, read materials that has caused you to change your conclusions about the occurrence of genocide and mass atrocities during the Khmer Rouge regime. Can you tell us some of the
sources that you have read or people that you have talked to since 1990 that led you to change your opinion? I guess my opinion did change some, but I can't really recall what caused that. We talked about earlier an article you wrote in December 1978 titled Conformity, a Must for Survival in Cambodia. And at the very end of that article, and this is E338.19, you wrote, and I quote, "A reasonable appraisal on balance seems to be that a major factor in the violent deaths, whatever their number, occurring in the last 3.5 years has been the working out of the unparalleled social upheaval of this revolution. Whether the leaders encouraged or moderated the violence or just rode with the tide is hard to say." End of quote. Mr. Dedman, when you visited Democratic Kampuchea in 1978, were you given access to documents by the Khmer Rouge? And specifically, do you remember ever being allowed to review a publication called Revolutionary Flag, an internal document that had circulated by the party that has flags on its cover, something that was sent to the party cadres every month? Do you remember receiving, being given access to any documents like this by the democratic officials when you were in Cambodia? I don't recall getting any such documents. Mr. Dudman, a number of the surviving issues of the Revolutionary Flag publication are now in evidence in these proceedings. I'd like to read to you one excerpt from the April 1977 issue of Revolutionary Flag, E3/742, to get your reaction. This is this issue of Revolutionary Flag published a speech by a party leader on the implementation of the 1977 party plan. And at English 00478496, French 00499754, Khmer 00062986. The following instructions were provided to the party cadres. I quote, "As for the enemies that are CIA, KGB, and UN agents, Vietnamese agents, the cheap running dogs of the enemy that sneakily embedded inside our revolution and our revolutionary ranks, we must continue to strike them and trample them from our position of absolute advantage and must constantly be on the offensive against them during 1977 to smash them even more so they cannot raise their heads." A few pages later, English 00478501, French 00499758, Khmer 00062991, quote, "It is imperative to indoctrinate and whip up the masses into a force to seek out the enemy, assess the enemy, analyze the enemy, track the enemy, pressure the enemy, capture the enemy, to smash the enemy, and to make the enemy be like a rat surrounded by a crowd of people beating and smashing it." End of quote. Am I correct, Mr. Dudman, that you were not aware of
evidence like this and had not been provided these documents when you wrote either your articles in December 1978 or your op-ed piece in August 1990. I wasn't aware of that language. Would you agree that this evidence seems to help answer the question you raised at the end of your article, that is whether Khmer Rouge leaders were encouraging or facilitating violence there? It certainly sounds like they were whipping it up. Another Oui, Monsieur le Président, j'interviens rarement dans le cadre des questions posées par les partis parce que j'estime que nous sommes des professionnels et qu'il y a des éléments que l'on peut laisser passer. En revanche, je note que l'utilisation des documents par Monsieur le Procureur international ces dernières minutes ne vise pas réellement à poser des questions, mais s'apparente à des formes de plaidoirie. Je rappelle que Monsieur Goldman est là comme témoin, il avait répondu qui ne connaissait pas les documents. On lui pose une question, j'attendais la question posée par Monsieur le co-procureur international, et en réalité c'est une question rhétorique. Donc j'entends que de temps en temps on puisse faire des effets de manche, mais là je pense que nous ne sommes pas dans une audience de documents et qu'il faudrait que Monsieur le co-procureur international pose des questions sur des éléments dont Monsieur Denman est supposé avoir connaissance. Mr. President, it was the defense who had put into evidence the 1990 article that made various conclusions. I'm entitled to pursue with this witness what information was available to him, what wasn't, and whether that information would have affected what he wrote in those articles that the defense had put before you. Si vous m'autorisez à répondre, Monsieur le Président, brièvement, c'est précisément le problème. On demande aux témoins de spéculer. Est-ce que vous auriez fait autrement? Est-ce que vous auriez posé d'autres questions? La question n'est pas de savoir ce que le témoin aurait fait. La question est de savoir ce que le témoin a vu, a dit, a été témoin et sur les choses dont il n'est pas au courant. Mais il n'est pas au courant, il ne peut pas en témoigner, tout simplement. Et là, précisément, on demande de la spéculation. Ce n'est pas un expert aujourd'hui dans votre chambre, c'est un témoin des faits. Il faut qu'on lui pose des questions dans ce cadre-là, en tant que témoin des faits.
ដាក់អញ្ញាគោលភារៈជូនទៅលោកស្រីចក្រមក្លូឌីហ្វែនដើម្បីសម្រេចលើស្តីជំទាស់នេះចំពោះការតាំងរបៀបតាំងទំនួលរបស់តំណាងថាបញ្ញាអន្តរជាតិដោយក្រមមេធាវីអន្តរជាតិការពីក្តីលោកខៀវសំផនសូមចេញលោកស្រីចក្រមក្លូឌីហ្វែន We note that we have given a lot of leeway when it came to the questioning of this witness, also to the Defense Council. We have accepted more speculative questions than we would normally have, also for the Defense Council. But I think it has become obvious the last 1.5 days that the witness memory is limited. So we would strongly suggest that questions are limited to what a witness is actually supposed to testify to, and this is facts. Frankly, presenting documents, then asking for confirmation that he doesn't know them, and then asking him what he would have done if he had known them, is perhaps stretching the limits of even the leeway the chamber has given too much. Am I entitled to confirm whether the witness had access to certain types of evidence when he visited Democratic Kampuchea and when he wrote his articles? But generally, yes, but perhaps not after reading for minutes pages and pages of these documents. I'm sure this is possible to verify in a more general way. I will proceed to do that, and then I will wrap up my questions, Your Honor. I was asking Mr. Dudman about another category of documents that are in evidence in these proceedings, and there are about 300 to 400 surviving telegrams and reports that were sent to the party leaders in Phnom Penh. From the zones and various organizations in Democratic Kampuchea. A simple question. When you were in Democratic Kampuchea, were you provided access to telegrams and reports that were sent to the party leaders in Phnom Penh on what was going on in the country? With all respect, a ridiculous question. I mean, No government even today would give access to journalists or telegrams or letters. Mr. Dudman, did you receive any documents like that when you were in Democratic Kampuchea? Had you ever reviewed telegrams or reports like that before you wrote your op-ed piece in 1990? I don't recall receiving such documents. I'm getting near the end of my questions, Mr. Dudman. Were you, Mr. Dudman, one of the journalists in the United States who was put on the so-called enemy list of President Nixon? Yes, I was. Can you explain to the court what that enemy list was? I think it's just what it said it was, the list that the Nixon administration considered enemies.
After you were put on the enemy list by the President of the United States, were you arrested and sent for re-education by the United States government? No, they don't do that. Did you continue to be employed as the Washington bureau chief of a major U.S. newspaper despite being on Nixon's enemy list? Yes, it may even have helped my standing. Based on your observations from your trip to Democratic Camp Chia, what happened to Cambodian dissenters who made the enemy list of the Khmer Rouge leaders? Well, from what I read, they were exterminated. The last item I'd like to ask you about, Mr. Dudman, is from document E333.1. This is the 18 December 1978 report that was written by Democratic Kampuchea officials about your visit to the country. And at English 01054091, Khmer 01047240, French 01054095. The Democratic official who wrote this, Democratic Kampuchea official who wrote this, said the following, I quote, "The two American journalists clearly serve the American government and the CIA as we have precisely identified," end of quote. Do you have any reaction to the assertion in this report that you, a person who had been on President Nixon's enemy list, was working for or serving the interests of the CIA? That's a lie. Mr. Dudman, thank you very much for bearing with me today with my reading of a lot of documents. The co-prosecutors appreciate very much your effort to testify in this proceedings. Mr. President, no further questions. ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានប្រឹងប្រែងមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះលោកប្រធានសូមអរគុណខ្ញុំចាប់ហើយលោកប្រធានបាទអរគុណជាបន្តនេះអំពីផ្ដល់វិធីការជូនទៅក្រុមសាមីពីនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវីនេះ Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Dudman. Je m'appelle Marie Guiraud et je suis l'avocat qui représente le collectif des parties civiles dans ce procès. Je vais tenter de tenir compte de vos observations, Madame le juge Fens, et essayer d'en appeler à la mémoire de notre témoin et de me contenter du coup des réponses qu'il pourra nous fournir en essayant de le faire réagir à un certain nombre de témoignages que nous avons entendus depuis le début de cette audience. Monsieur Dudman, je voudrais commencer par citer à mon tour un document cité par le coprocureur il y a quelques instants. Et c'est cette fameuse liste de requêtes que vous aviez formulée à l'époque aux responsables du Kampuchea démocratique qui avaient organisé votre visite en décembre 1978. Il s'agit donc du document E3/1156. Et dans ce document, au paragraphe 2, dans lequel vos requêtes sont expliquées, vous indiquez au numéro 6 que l'une des requêtes que vous formuliez en vue de votre visite était votre souhait
de voir les activités des unités mobiles, l'organisation des coopératives et deux ou trois coopératives. Ma première question, monsieur le témoin, en relation avec cette requête particulière, vous souvenez-vous avoir insisté pour pouvoir visiter des coopératives, comprendre leur organisation et plus particulièrement voir les activités des unités mobiles? I don't recall my request. ខ្ញុំ អត់ ចាំ សំណើ សុំ របស់ ខ្ញុំ នេះ ទេ. Je vous remercie. De manière du coup beaucoup plus générale, pouvez-vous expliquer à la Cour ce dont vous vous souvenez de la visite des coopératives que vous avez effectuées lors de votre séjour au Kampuchea démocratique en décembre 1978. Et je commencerai par une première question. Vous souvenez-vous du nombre de coopératives que vous avez été amené à visiter? I do not remember that. Dit men, ខ្ញុំ អត់ ចាំ ទេ. Vous souvenez-vous de manière générale avoir visité des coopératives? No, I don't recall that. Dit men, ខ្ញុំ នឹក អត់ ឃើញ ទេ លោក ស្រី. Avez-vous le moindre souvenir de vous être rendu avec Madame Becker et Monsieur Caldwell dans la coopérative dans la province de Takeo et dans la coopérative de Lebo? Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? I don't recall that visit. ខ្ញុំ នឹក អំពី ដំណើរ ទស្សនកិច្ច នេះ អត់ ឃើញ ទេ. Je vous remercie. Avez-vous le moindre souvenir de personnes en train de travailler lors de votre visite en décembre 78? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez vu de ces personnes qui travaillaient sur les chantiers que vous auriez visités? A direct memory. I have only what I wrote at the time. ខ្ញុំ ចាំ តែ អ្វី ដែល ខ្ញុំ បាន សរសេរ តែ ប៉ុណ្ណោះ. Je vous remercie, monsieur le témoin. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous vous souvenez aujourd'hui des discussions que vous avez pu avoir avec les gens que vous avez rencontrés à l'époque sur les conditions de travail dans les coopératives? Est-ce que c'est un sujet dont vous avez parlé et il semblerait que oui? Et si oui, quelles sont les informations dont vous vous souvenez aujourd'hui? I don't remember that getting that information. ខ្ញុំ អត់ ចាំ ពី ចំណុច នេះ ទេ. Je vous remercie, monsieur le témoin. Monsieur le président, nous arrivons à l'heure, me semble-t-il. Je souhaiterais aussi profiter du coup de la pause pour réorganiser les questions de telle manière que je puisse peut-être un peu plus interagir avec le témoin, notamment en le faisant réagir sur des extraits précis des articles qu'il a écrits. Je pense que ce sera peut-être une meilleure manière de lui rafraîchir la mémoire. Donc, étant donné que nous sommes à 10 heures, je proposerai de m'arrêter là et de continuer demain matin pour, je dirais, environ une trentaine de minutes. Bah, aucun. Bah, ông chúng ta xem aucun lúc Richard Dutman, đâm nào cả, sao nào cả, sao đáp tới khi cam bờ lúc nữa thay ní, đào pin sầm rạ hơi, đối với này lúc ai sầm rạ ban hơi. អង្គជំរះសូមជម្រាបលោករិឆាតដូចមែនថាការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ. អង្គជំរះកោះអញ្ជើញលោកឲ្យមកដល់សក្ខីកម្មតាមប្រព័ន្ធសតទស្សន៍នៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី1ខែមេសាឆ្នាំ2015ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅរហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹក
ពីម៉ោង8:00ម៉ោងចាប់ដើមពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាគឺនៅពេលម៉ោងដដែលហើយអង្គជំរះក៏សូមអរគុណចំពោះលោកដេវីតជេសិនបារ៉េតនិងលោកថូតលូវែលអង្គជំរះអញ្ជើញលោកទាំងពីរមកបន្តចូលរួមអង្គុយក្បែរសាក់សីនៅក្នុងឡុងពេលរីឆាតរីមែនផ្ដល់សក្តិកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនៅថ្ងៃ ស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង8ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាគឺនៅម៉ោងដដែលហើយលោករីឆាតឌុចម៉ែនលោកជេសិនបារ៉េតនិងលោកថូតលូវែលអាចសម្រាកបានហើយ បាទទីបន្តទៅនេះអង្គជំរះប្រកបឲ្យខាងផ្នែកសត្វទោះសម្រាប់រួលប្រព័ន្ធសត្វទោះត្រឡប់មកស្ថានភាពធម្មតាឡើងវិញហើយជាបន្តទៅនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើកិច្ចនីតិវិធីចំនួន2មួយគឺចេញក្តីសម្រេចផ្ទាល់មាត់លើដំណើរសុំរបស់សហប្រញ្ញាអន្តរជាតិហើយ2ស្ដាប់នៅសំណើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីនួនជាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសក្តីថ្លែងសោកទុកសោកវេទនារបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារណាម្ដងសាទុករបស
We send by email email no some wrong chain pi sana bandang sa tok no khnom and sarana bandang sa tok robos jeung khnyom in this appeal brief in this sarana bandang sa tok we have argued jeung man chumtoh tha in the judgment in case 0-0-2-1 an amount of 255 times, if we calculated correctly, evidence that has been presented during civil impact hearings was used as evidence. And of course, Mr. President. Yesterday we requested to be allowed to provide you with some oral submissions in relation to an early request by the civil party lawyers. That request was related to the civil party impact testimony, which is scheduled for coming Thursday and Friday. And yesterday we have sent you a few paragraphs, not from our closing briefs, but from our appeal briefs. And in this instance, in this excerpt in our appeal brief, we have criticized the judgment in sentencing, criticized the actions I would like to refer to the specific arguments that we have set forth in our appeal brief. Of dealing with the situation. As you might realize, evidence which was very directly to
ពតាងបែបនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអប្រតិកម្មដែលកំពុងតែធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅនោះហើយប៉ុន្តែយើងខ្ញុំក៏ត្រូវតែមានឱកាសដើម្បីសួរទិញទៅនឹងដើម្បីរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យ ហើយយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងខ្ញុំត្រូវមានពេលវេលាពាក់កណ្ដាលនៃពេលវេលាដែលបានកំណត់មកឲ្យលើកលែងតែដើមដំណឹងរដ្ឋបាលវិនិយោគអំពីទៅការជួយចាប់ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះហើយ Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que nous partageons un certain nombre de préoccupations la défense du Nunchea. Jusqu'à présent, dans le cadre du procès 02-1, il y avait une vraie distinction entre les audiences au cours desquelles les parties civiles intervenaient à la fois pour parler des faits et pour parler de leur expérience personnelle. Et la distinction de cette phase d'expression des souffrances qui appartenait à une version plus, à une vision plus personnelle de ce qu'elle ressentait pour que vous puissiez évaluer le degré des souffrances et en tenir compte éventuellement dans le cadre d'une condamnation. La question soulevée par mon confrère est qui forcément se pose également à nous et de savoir quel va être le statut de ces dépositions à l'audience. Est-ce que vous allez uniquement les considérer dans le cadre de l'évaluation personnelle des souffrances de ces parties civiles qui ont été choisies par leur co-avocat pour venir déposer en ce sens, ou est-ce qu'elles auront un impact plus large en ce qui concerne la preuve apportée au dossier. Dans ces conditions, il est évident, comme vient de l'indiquer mon confrère, que notre position en tant qu'avocat de la défense est différente s'il s'agit simplement d'évoquer la vision et les souffrances personnelles des parties civiles et s'il s'agit d'aller au cœur de l'examen des faits qui a évidemment un impact sur ce que nous devons ou ne devons pas faire dans le cadre de la défense de notre client. Donc ce que je vous demande, moi, à ce stade-ci, avant même de savoir si nous avons besoin d'avoir plus de temps et de savoir si, comme la Chambre l'avait indiqué dans une décision précédente, je vais vous retrouver les références citées par mon confrère dans le cadre de son appel, à savoir la décision E236/5 du 7 février 2013, à savoir si nous faisons vraiment une vraie différence entre ces deux types d'audience ou s'il s'agit de la même chose et que vous serez amené à utiliser les déclarations de ces souffrances comme des éléments éventuellement à charge dans le cadre de l'examen des faits et non pas uniquement de l'éventuelle condamnation. Donc c'est une clarification que je demande et en fonction de ces éléments, nous serons amenés ou pas à faire des contre-interrogatoires comme nous les faisons dans le cadre des examens purement factuels. Merci, Monsieur le Président.
Et bonjour à tous. J'ai quelques remarques à faire. Tout d'abord, la défense de Nunchea a attendu ce lundi après-midi, 30 mars, pour mentionner qu'elle avait une courte demande à faire concernant les audiences portant sur les souffrances des parties civiles et l'incidence des crimes allégués sur les parties civiles. Et je note que ce qui a été dit oralement à l'audience ne correspond pas exactement à ce qui a été envoyé aux parties, c'est-à-dire les arguments développés par la défense de Nunchea dans son mémoire d'appel, où les arguments sont bien plus radicaux que ce qu'on a entendu aujourd'hui. Donc cette demande, à mon avis, est tardive. Nous avons... la défense de Nunchea a mis au dossier son mémoire d'appel fin décembre 2014 avec tous ses arguments. Ce ne sont pas des arguments qu'il a découverts en mars 2015, mais elle a attendu jusqu'au 30 mars 2015 pour les sortir à la dernière minute, juste avant que les parties civiles viennent ici pour déposer. Et d'ailleurs, je note aussi que la défense de Nunchea a spécialement demandé que ce débat n'ait pas lieu aujourd'hui, mais demain, juste avant que les parties civiles soient venues à déposer et alors qu'elles seraient déjà probablement à Phnom Penh. Le mémorandum de la Chambre qui est pertinent en cette matière, c'est E315-1. Il est daté du 17 décembre 2014. Et donc, je pense que la défense avait plus de 3 mois pour... Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas donné d'IRN, mais par contre, le numéro du mémo de la Chambre qui est E315-1 est daté du 17 décembre 2014, qui concerne ces audiences concernant les souffrances des parties civiles, c'est les paragraphes 7 à 9 de ce mémorandum. Donc il date du 17 décembre 2014. La défense avait plus de 3 mois dès ce moment-là pour émettre des réserves sur le format, sur le contenu de ce type d'audience, mais elle a attendu la dernière minute pour le faire. Alors, dans les arguments développés devant la Chambre de la Cour suprême, la défense de Nunchea fait beaucoup référence à la pratique dans les pays du common law. On parle de l'Australie, on parle du Canada, de la Nouvelle-Zélande, d'Israël. Et dans ces pays, il n'existe pas de participer. Le rôle des victimes est limité à celui de témoins ou alors un rôle concernant les audiences limitées à la détermination de la peine, mais pas la culpabilité des accusés. Ici, devant cette chambre, nous avons par contre des parties civiles, dont l'un des rôles est de participer en soutien à l'accusation, aux poursuites des personnes responsables. La jurisprudence de la common law ou des juridictions internationales n'a donc pas beaucoup d'intérêt ici, n'est pas pertinente ni applicable. La Chambre, faut-il le rappeler, a aussi la faculté d'utiliser et de se référer à tout élément de preuve produit devant elle. Pour autant que cet élément de preuve ait été recueilli de manière légale, qu'il soit crédible, que les parties en débat. Alors effectivement, il y a deux situations devant cette chambre. Les deux situations qui finalement se rapprochent.
La première, c'est celle où les parties civiles sont entendues en priorité sur les faits, sur la preuve. Et là, c'est vrai que toutes les parties peuvent vous interroger, mais par contre, à la fin, possibilité leur est donnée de faire une déclaration sur les souffrances. Dans un souci de respecter le principe du contradictoire, la Chambre de première instance a toujours dit d'ailleurs que dans cette deuxième partie consacrée à une déclaration sur les souffrances, s'il y avait des éléments nouveaux, notamment à charge contre les accusés, les parties pouvaient alors ensuite reposer des questions à toute partie civile. La deuxième situation, c'est celle que nous allons connaître jeudi, vendredi, c'est-à-dire les parties civiles entendues en priorité sur leurs souffrances et sur l'incidence des crimes allégués sur elles. Et je me souviens que nous avons déjà eu un débat devant cette chambre, où les avocats principaux des parties civiles et moi-même avions expliqué qu'il n'était pas possible de séparer totalement, de dissocier les souffrances endurées des crimes qui étaient allégués. Pour pouvoir comprendre quelle souffrance on a pu endurer, il faut d'abord expliquer d'où elle résulte, c'est-à-dire parler des faits. Et dans la mesure où les faits entrent dans le champ du procès et où la défense a l'occasion de poser ces questions à ce sujet, ce sont des éléments de preuve que la Chambre en première instance doit pouvoir utiliser, y compris dans son jugement. Il faut insister aussi sur le fait que dans le cadre du procès 2-1, toutes les parties ont eu l'occasion de poser la question qu'elles souhaitaient aux parties civiles durant les 4 jours d'audience qui étaient consacrés aux souffrances des parties civiles à l'incidence des crimes allégués sur elles. Et c'était, si je ne me trompe pas, le 29 mai, 27, 29 et 30 mai 2013, ainsi que le 4 juin 2013. Alors le temps, c'est vrai, était assez limité, mais les questions quand même étaient posées, à la fois par le parquet et par la défense, concernant le fond, concernant les faits, concernant les crimes, et pas uniquement les souffrances. Alors, la défense ne peut pas dire qu'elle ne savait pas que des portions de déposition des parties civiles relatives aux crimes allégués pourrait ou serait utilisé par la Chambre dans son jugement. Par exemple, à l'audience du 27 mai 2013, l'avocat de la défense Son Haroun, entre 11h42 et 11h57, a posé des questions à la partie civile Aoun Pali, non pas concernant ses souffrances, mais bien les circonstances de l'évacuation de Phnom Penh. Et le point de savoir s'il y avait eu contrainte ou usage de violence. Maître Victor Coppé a posé des questions à la partie civile Yos Pal, le 27 mai 2013, pendant 20 minutes, entre 15h40 et 16h, et la Chambre avait accordé davantage de minutes à Victor Coppé à sa demande, parce qu'il a interrogé la partie civile sur le sort des soldats de Lonnol au moment de l'évacuation de Phnom Penh. Il ne s'agit pas de souffrance, il ne s'agit pas vraiment d'incidence, il s'agit de faits. Maître Verkel, toujours pour cette même partie civile, a continué à poser des questions pendant 10 minutes. Et donc, je pourrais multiplier les exemples durant ces 4 journées d'audience, mais en tout cas, il y a eu possibilité pour la défense de poser des questions, même si le temps était limité et ces questions portaient sur le fond du dossier. Alors le problème maintenant, c'est que Nunchia veut à la, ce qu'on appelle en français le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'il veut à la fois pouvoir mettre à l'épreuve les parties civiles, mettre à l'épreuve leur déposition, donc attaquer la preuve qu'ils donnent, et en même temps, pouvoir dire à la Chambre d'appel que ce n'est pas acceptable que la Chambre puisse utiliser les preuves recueillies devant cette Chambre
lors de ces journées d'audience. Donc là, ça c'est essentiellement ce qui ressort de mémoire d'appel. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faudrait sans doute plus de temps si les preuves sont utilisées à charge et peuvent être utilisées par la Chambre dans son jugement. Alors oui, certainement, il y a possibilité, j'imagine, d'aménager le temps que la défense ait plus de temps que les 10 ou 15 minutes qui étaient imparties durant le dossier 2/1. Mais la Chambre a déjà fait preuve par le passé de souplesse à cet égard. Il n'y a pas de raison que ça change. Par contre, demander que le même temps soit donné à la défense qu'aux parties civiles serait exagéré. Et peut-être aussi à l'accusation et celui qui est donné à la défense. Monsieur le Président, juste une correction, parce que j'ai fait une erreur. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai quelques observations pour expliquer de la manière la plus claire possible, je l'espère, la façon dont nous sommes arrivés à cette proposition d'agenda et proposer éventuellement une solution pour satisfaire les éventuelles demandes des uns et des autres si la Chambre venait à considérer que ces demandes sont légitimes. Les trois éléments qui ont guidé notre réflexion pour arriver à cet agenda, c'est d'une part le fait que pour nous, ces audiences sur le préjudice sont la façon principale pour les parties civiles de participer au procès et d'expliquer pourquoi elles participent au procès par l'intermédiaire du collectif. Et donc, il est fondamental qu'à un moment, dans ce procès, nous parlions du préjudice des parties civil, préjudice moral, physique et matériel qui justifie qu'elle participe au procès. C'est d'autant plus important sur le segment de Tramcock que nous avons énormément de parties civiles qui ont été admises par les co-juges d'instruction pour le segment de Tramcock et Klatachan. Nous avons 51 parties civiles au sein du collectif qui ont été admises à ce titre. Et donc, nous avons bien évidemment à cœur de pouvoir proposer la déposition d'un maximum de parties civiles lors de ces deux jours. Le deuxième élément qui nous a guidés, c'est de maintenir la spécificité de l'audience sur le préjudice des parties civiles, en faisant une distinction, mais aussi des rapprochements avec les faits. Je pense que nous sommes d'accord avec toutes les parties pour dire que le préjudice et les faits sont intrinsèquement liés, et qu'il est nécessaire à un moment d'aborder les faits pour parler du préjudice. Et je rebondis sur les deux exemples qui ont été donnés par mon confrère Copé. Nous considérons que la privation de nourriture constitue un préjudice. Et donc, bien évidemment, nous parlerons, enfin, les parties civiles, c'est en tout cas ce que nous pensons, évoqueront la question de la nourriture lors des dépositions sur le préjudice. Nous considérons qu'un préjudice moral établi est également consécutif à la perte de proches. Et donc, quand les parties civiles s'exprimeront sur la perte de leurs proches, il paraît évident qu'elles puissent aussi s'expliquer sur les conditions dans lesquelles ces proches ont disparu. Donc, d'un côté, nous sommes d'accord avec les parties pour dire qu'il y a un lien intrinsèque entre les faits et le préjudice et qu'il faut nécessairement que cette audience sur le préjudice reflète ce lien. Mais nous ne sommes pas d'accord avec la défense pour dire que c'est la même chose. La différence fondamentale, me semble-t-il, c'est que les parties civiles, lors de l'audience sur le préjudice,
parlent de ce qui leur est arrivé à elles et à elles seules. Et elles ne sont pas entendues par la Chambre sur ce qu'elles ont vu ou sur ce qu'elles savaient, mais uniquement sur ce qu'elles ont vécu, elles. Donc forcément, cela réduit considérablement le champ des faits dont elles parlent devant la Cour. Et c'est la raison pour laquelle il nous semblait que les autres parties ne pourraient poser des questions que sur ce qui concerne les faits, mais qui ne les concerne que elles, et dès lors, le temps ne serait pas également réparti entre les parties civiles et la défense. Le troisième élément qui nous a guidés, c'est bien évidemment le principe du contradictoire. Nous avons un intérêt direct à ce que les dépositions des parties civiles qui vont se dérouler sous vos yeux jeudi et vendredi fassent l'objet d'un débat contradictoire de la manière la plus transparente possible. La question maintenant qui se pose à la Chambre, c'est comment respecter le principe du contradictoire dans cette spécificité qui est celle de l'audience sur le préjudice. Ce qui nous a guidés pour faire cette proposition, ce sont les mémos de la Chambre, tout simplement. C'est le mémo qui nous a été adressé en janvier dernier, le E315/1, dans lequel la Chambre se réserve le droit de donner la possibilité aux parties de questionner les parties civiles si de nouveaux faits sont évoqués par les parties civiles ou si des allégations contre les accusés sont formulées à l'occasion de ces dépositions. Et c'est le paragraphe 8 du mémo E315/1 que vous avez déposé en décembre 2014. Pour comprendre un petit peu plus ce que vous entendiez, ce que la Chambre entendait par nouveaux faits, nous nous sommes basés sur un autre mémo que vous avez édité l'année dernière, c'est le document E267/3. C'est un mémo qui avait été édité à l'époque suite à la requête de Kyo Sampan de faire réentendre une partie civile qui avait mis en cause son client lors de la déposition sur le préjudice. Et vous aviez considéré qu'il fallait considérer ce qui était des faits nouveaux par rapport à la constitution de partie civile des victimes ou par rapport au formulaire d'information des victimes. Et tout ce qui était nouveau par rapport à ces documents pouvait justifier des questions de la part de la défense. Donc c'est guidé par ces deux mémos que nous avons fait cette proposition. Cette proposition, elle porte bien son nom, c'est une proposition. Nous attendions de voir si la défense allait faire, allait émettre des observations par rapport à cette proposition, et notamment à la lumière de l'appel que tant l'équipe de Nguyen Chea que l'équipe de Kyo Sampan ont formulé. Nous ne savions pas si la défense allait faire une requête. Aujourd'hui, c'est le cas. De la part de la défense de Nguyen Chea, il semblerait qu'il s'agisse d'avoir suffisamment de temps pour questionner les parties civiles sur les faits. Je pense que Kyo Sampan a peut-être besoin que la Chambre se prononce un petit peu plus pour savoir ce qu'il souhaite. Encore une fois, de notre côté, nous considérons que c'est vraiment à la Chambre de décider, soit de valider notre proposition, soit de nous demander de la changer, et de décider si le temps que nous avons proposé pour les autres parties est adéquate ou non. Encore une fois, de notre côté, plus l'audience est contradictoire, plus nous y trouvons notre compte aussi. Donc nous n'avons aucun intérêt de brider la parole des parties dans cette audience sur le préjudice. Il est vrai que le temps que nous avons prévu pour chaque partie civile est réduit. Il est réduit pour tout le monde, il est réduit aussi pour nous. 40 minutes pour chaque partie civile, c'est peu. Nous avons été obligés de tenir compte de la réduction du temps d'audience du fait de l'interruption à 11h30 à la demande de Kyo Sampan. La réduction du temps d'audience a été majoritairement impactée sur notre temps de parole. Là encore, nous avons fait une proposition à charge pour la Chambre de reconnaître si celle-ci
permet de respecter le principe du contradictoire et les principes du procès équitable. En prévision de ces observations orales, nous nous sommes un petit peu renseignés et organisés et nous pourrions éventuellement faire une proposition à la Chambre qui serait de commencer l'audition de deux parties civiles demain après-midi, ce qui permettrait du coup à la Chambre d'avoir beaucoup plus de latitude dans la gestion du temps de parole pour les parties. Et si la Chambre est ouverte à cette proposition, nous avons d'ores et déjà identifié deux parties civiles qui seraient à même de venir déposer demain après-midi, ce qui permettrait du coup une gestion du temps beaucoup plus libre pour que la défense puisse poser les questions qu'elle souhaite sur les éléments factuels de la déposition des parties civiles. Donc nous sommes finalement de notre côté assez ouverts. Nous considérons que la proposition qui a été faite répond aux mémos et aux injonctions de la Chambre et est conforme à la jurisprudence antérieure. Nous avons vraiment respecté le même modèle que celui qui avait été fait l'année dernière dans le cadre de 1. Si d'aventure vous considériez que cette proposition devrait être changée, notre demande est qu'il n'y ait pas que toutes les parties civiles puissent être entendues dans la mesure où toutes sont déjà arrivées à Phnom Penh. Donc nous souhaiterions conserver la faculté d'avoir 8 parties civiles entendues lors de l'audience. Il nous semble un petit peu disproportionné de donner un temps égal à la défense dans la mesure où, encore une fois, ce dont il s'agit ici, c'est de l'expérience personnelle des parties civiles et non ce qu'elles ont vu ou ce qu'elles ont su à l'époque. Et nous proposons enfin, à titre de bonne foi et de bonne volonté, de commencer l'audience demain après-midi avec deux parties civiles pour que nous ayons pleinement le temps de poser les questions qui s'imposent aux parties civiles. Voilà mes observations, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, juste quelques secondes pour rectifier une erreur que j'ai faite dans mon intervention tout à l'heure. La décision à laquelle je faisais référence est la E267-3 à laquelle ma consœur vient également de faire référence. Thank you, Mr. President. I feel the need to react to both Deputy Co-Prosecutor and the Civil Party lawyer. I'm not quite sure if I follow the argument made by the prosecution about us being too late at this point. I would like to remind the Chamber that obviously our appeal brief was due on the 29th of December. That was the day that we filed our appeal brief and were able to fully develop our argument. All parties are aware of this fundamental problem that we have. However, on the 16th of January of this year, in E336, we filed a request with the Chamber that has been already decided upon by the Chamber. It's called our request regarding certain practices to be undertaken when examining an upcoming civil party TCCP 271, that is Saisen. And you will read in paragraph 12 that we developed that argument already. So I think this argument is known to all parties, so I'm not quite sure if I follow the point of us being too late. What I would also like to point out is something that I haven't heard either from the prosecution or from the civil party lawyers, that is that analysis that we have made in our appeal brief, meaning that in the judgment
If that is the case, we should fundamentally think what the law is. As you know, we have recorded the trial chamber itself when it set out its ruling on this matter. I have been trying to be practical as to the vision of time, but it doesn't change the fact that the law, the rules, and as indicated by yourself, is quite clear. Whatever a civil party is saying during civil impact is not evidence that goes to the fact. I see you not, Judge Fens, asking why. That's how we interpret your ruling. We see it wrong, then please enlighten us. What we can do, what we have done, is identify 255 instances in which the trial chamber in K00271 used civil party impact testimony as evidence. That is what we believe in that situation. If that is going to be the issue, not only in this segment, but in common segments, we need to have we should know what the situation is. If evidence given on food shortages, etc., is in fact evidence, then we need to have the opportunity and we need to exercise our right to cross-examine the particular. ចុះបញ្ហាសំណើសុំរបស់លោកកុពេបញ្ហាសំណើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីដើមដឹងរដ្ឋប្រវីនីមានមកតំណាងដើមរដ្ឋប្រវីនីសុំធ្វើសកម្មភាពនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃស្អែកដើម្បីស្ដាប់ដើមដឹងរដ្ឋប្រវីនីចំនួន2រូបក្នុងចំណោមបំបីរូបដែលគ្រងធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងស្អែកថ្ងៃទី2និងទី3ខែមេសា. It's maybe a methodological issue. The trial chambers of the opinion that whatever is being said by a civil party during the impact testimony is in fact evidence, confirming the judgment, then we need to have that time, and then there could be a suggestion to follow. I believe from the civil parties to maybe start tomorrow and have equal time. However, if you, Mr. President, Your Honour, confirm your earlier ruling, then there is no place for any evidence being put forward during civil party impact testimony. And then, of course, we would do the same thing in K00271 and only briefly ask some questions to the civil party. I might recall, we also briefly mentioned that in our appeal brief, when Nguyen Chia was very sick in 2013, he was requested, despite his illness, we could nevertheless continue with having hearings on civil party impact, because, as you've indicated, he wasn't going to be used as evidence. At the time, we said, of course we were quite shocked to realize that what was in fact said during his absence was used at times as real
ដោយក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីដោយមូលហេតុភាគីការពារក្តីទាមទារពេលវេលាស្មើគ្នានិងពេលវេលាដែលដើមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរដ្ឋប្រនីមានឱកាសនៅក្នុងការសួរបន្ថែមទៅក្រុមដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីដែលនឹងមកថ្លែងទុកសោកវេទនារបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីដើមម្ដងមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីសូមឲ្យធ្វើចាប់ផ្ដើមពីរសៀលថ្ងៃស្អែកទៅដើម្បីឲ្យពេលវេលាវាគ្រប់គ្រាន់តើមានមតិយោបល់អ